Bonjour, Jean-Marc Scherrer, président d'ACT Barisol Normalu. Bonjour, je suis Amandine Lallemand, directrice opérationnelle de la société Normalu Barisol. Nous sommes le numéro un mondial du plafond tendu. Nous fabriquons des murs et des plafonds lumineux, acoustiques, 3D, imprimés et climatisants pour les lieux publics et privés. Oui, heureusement, c'est une période propice à la réflexion. Nous avons un peu plus de temps pour justement prendre le recul nécessaire pour réfléchir à comment aller de l'avant et faire encore mieux. Il faut réinventer des nouveaux moyens de communication, de se réunir, de partager de l'information, que ce soit virtuellement ou physiquement, rester très à l'écoute des uns et des autres pour essayer de contourner les difficultés un peu spécifiques et se concentrer sur l'essentiel afin d'avancer sereinement. Dans cette situation, il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour réfléchir aux nouvelles solutions, aux projets qu'on avait peut-être mis en attente pour les réactiver et surtout ne rien lâcher, aller de l'avant. Nous avons en effet tiré un certain nombre d'enseignements positifs de cette crise, notamment par la mise en place de moyens de communication et d'échange qui seront maintenus en grande partie après cette crise afin de nous permettre d'être plus efficaces et que la politique de polyvalence qu'on avait menée depuis plusieurs années avait été un réel atout pour traverser cette crise puisqu'avec un nombre de personnes réduit et avec une grande polyvalence, on a réussi à accomplir l'ensemble de nos missions. Alors nous avons déjà commencé le monde d'après avant la crise, car nous avons toujours recherché à fabriquer des produits localement et nous avons toujours recherché des produits qui sont 100% recyclables et qui permettent ainsi de préserver la planète. Pour nous, l'environnement, ce n'est pas seulement un mot, c'est aussi une action au quotidien dans tout ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on a aussi dans notre usine des conteneurs pour recycler tous les éléments que nous n'utilisons pas, que ce soit chute ou emballage. À bientôt. À bientôt.